de nous choisir pour vous informer. On commence avec cette information. Évariste Boucha, accompagné du ministre d'État de la Décentralisation et du ministre de la Défense, poursuit sa mission de réconfort aux populations victimes des atrocités des miliciens de l'ADF au Nord Kivu. Après l'étape de Goma, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur est arrivé jeudi à Beni, où il a appelé les populations à collaborer avec l'armée et les services de sécurité. Après 24 heures à Goma, c'est finalement en début d'après-midi de ce jeudi que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité est arrivé à Beni dans le Nord Kivu. En cette période des fêtes, Evariste Boshab vient s'assurer des dispositions qui ont été prises pour permettre à la population de fêter dans le calme, mais aussi évaluer la mise en place des résolutions prises récemment par le président de la République. Nous sommes venus pour montrer à la population de Beni que l'État est toujours là, que le gouvernement de la République se préoccupe des problèmes qui se posent dans cette entité. Et nous sommes venus également pour voir si les instructions données par le président de la République, chef de l'État, lors de son dernier passage ici, si ces instructions sont d'application. Depuis un temps, Beni est en proie à de l'insécurité et à des massacres à grande échelle. Le vice-premier ministre rassure la population que le gouvernement ne l'a pas oublié avant d'appeler la même population à apporter son concours pour le retour total de la paix à Beni. La solution, elle ne sera pas magique. La solution proviendra de la vigilance de la population et de la confiance que la population doit pouvoir placer aux forces armées. À toutes nos forces de sécurité. Et donc, un problème sécuritaire concerne aussi bien les administrés que les administrants. Le patron de l'Intérieur a eu droit à un accueil plus que chaleureux. Des milliers de Béniciens ont fait le déplacement de l'aéroport pour exprimer leur amour à Evariste Boshab. Mais aussitôt entré dans la ville, pas de repos pour le vice-premier ministre. Evariste Boshab convoque une série de réunions. D'abord, avec les généraux des forces armées de la RDC. Aux côtés du ministre d'État en charge de la décentralisation et affaires coutumières et le ministre de la Défense nationale, Evariste Boshab donne des orientations et vérifie que les dernières injonctions du président de la République ont été appliquées. Il va par la suite s'entretenir avec le comité local de sécurité. Là également, relaie des décisions de la haute hiérarchie pour permettre à Beni de retrouver définitivement sa paix. Insécurité, on en parle encore, cette fois-ci à l'ouest, à Mbandaka, avec des colonnes en mal de leadership qui sèment la terreur. Mais la situation est sous contrôle et la population établie à n'est pas cédée à la panique, rassure les autorités. Un numéro vert est mis à la portée de la population pour informer et dénoncer tout cas suspect. Un numéro vert a été mis à la disposition de la police de Mbandaka dans le cadre du dispositif mis en place pour parer à la résurgence de l'insécurité observée ces jours au chef-lieu de la province de l'Équateur. Le commissaire urbain de la police nationale congolaise, Gilbert Mandé Kizwa, l'a annoncé le jeudi 25 décembre dernier pour rassurer la population locale en cette période de fête de fin d'année. Les numéros 085 34 27 094 est à la portée de tout le monde et ce dernier est ouvert à tout moment, a indiqué le commissaire Manda, qui par ailleurs appelle la population au calme et surtout à ne pas céder aux rumeurs. En effet, de patrouilles mixtes police FRDC sont à pied d'œuvre de jour comme de nuit pour rassurer sa sécurité. Et puis le 25 décembre, le Premier ministre, chef du gouvernement, a reçu à l'occasion de la fête de la Nativité les agents commis à l'assainissement de la ville de Kinshasa. Plusieurs ONG des salubrités se sont présentées à cette manifestation organisée par la primature devant le gouverneur de la ville, le ministre de l'Urbanisme et Habitat ainsi que le commissaire provincial de la PNC. Objectif, mettre en confiance ces agents qui rendent la ville propre et honorer leur travail. Jardin des premiers à la primature, les dispositifs protocolaires terminés, les hôtes des Matata sont tous présents et ont répondu à son invitation. Chant et danse caractérisent cette réception. Le chef du gouvernement arrive sous les acclamations des agents commis à l'assainissement de la ville de Kinshasa.
Cette frange de la population est à l'honneur et Matata est très conscient du travail abattu par ces différentes ONG sous l'encadrement de Kimbuta, gouverneur de Kinshasa. Présence na biso lelo mokolo ya Noël elingi kolobake entre bino na biso frontière ezalité. Il s'attendait le moins à être sur les devants de la scène en présence du Premier ministre en ces jours particuliers. Remercier au Premier ministre Matata Ponyo qui nous a permis justement de s'abreuver, de pouvoir manger parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens aussi de fêter Noël correctement. Nous sommes très très contents de partager aujourd'hui avec le Premier ministre un petit gâteau dans son jardin. Aujourd'hui, le Premier ministre est en train de modeler une classe moyenne sur l'initiative du chef de l'État. Et nous sommes là avec tout cet été que vous voyez, nous sommes très contents. Plus de limites entre vous et moi, a déclaré le Premier ministre. Ils ont mangé, bu à même les sols, sans retenue. Ils ont extériorisé leur joie. Après les jardins des premiers, ces agents d'assainissement se sont retrouvés en compagnie du Premier ministre à la place des évolués pour danser au rythme des Aïko Langa Langa de Nyokalongo et des Wenge Musica de Weranson. Et la ville reste propre. Et un jour avant Noël, plus précisément le 24 décembre 2015, restera un jour inoubliable pour les habitants du quartier Maviokele dans la commune de Kimbanseke. Dans le noir depuis plus d'un an, la population de ce coin de la capitale va passer la fin de l'année et dans la lumière, puisque la Société Nationale d'Électricité a décidé de servir à cette commune en lançant les cabines 62 et 63. Voici à quoi ressemblait le quartier Maviokele à l'arrivée surprise de ce cortège de la Société Nationale d'Électricité. Ici, on ne peut qu'entendre des cris de soulagement, mais les visages restent cachés, faute des lumières. Et la lumière vint par ce simple geste d'Eric Mbala. Maviokele passe de l'ombre à la lumière, il faut dire qu'ici, c'est la première fois que l'on voit s'allumer l'éclairage public. Nous avons voulu que la population de Kimbanseke célèbre aussi avec les autres communes de Kinshasa et d'autres communes des provinces à l'intérieur du pays, célèbre aussi ces moments de réjouissance qu'on appelle la Noël. Et c'est comme cela que nous avons fait cette surprise à la population. Grâce à l'ingéniosité des ingénieurs SNEL, c'est une solution provisoire. En attendant la solution définitive, c'est que techniquement, elle est limitée. Si l'électricité dans ce coin de Kinshasa est une première pour Plamedi, 14 ans, on est tous contents ici, car enfin, l'insécurité va reculer. Merci Mingi, la félicité Bino pour la Obosali. En tout cas, c'est de l'éclairage public et des vents dans un premier temps. C'est contenter les habitants de Maviokele en attendant le raccordement de maisons. Mais tout compte fait, c'est la nuit et le jour entre l'arrivée et le départ du cortège de la SNEL. Direction la province du Sud Kivu pour parler du retour du gouverneur Marcelin Chichambo dans sa juridiction. Il reviendra ce jour de 2 semaines dans la capitale congolaise via la ville de Bujumbura au Burundi. C'est une mission de travail qui a consisté à échanger avec des partenaires au développement au profit et de sa province. Retour à Bukavu du gouverneur Marcelin Chichambo au terme d'une mission officielle à Kinshasa via Bujumbura. Au poste frontière Ruzizi Ier, le vice-gouverneur était là pour l'accueillir. Les membres du gouvernement provincial, les responsables de l'armée et de la police, ainsi que d'autres membres du conseil provincial de sécurité et des militants de son parti, le PPRD, sont allés souhaiter la bienvenue et un joyeux Noël au gouverneur du Sud Kivu. La mission de l'autorité provinciale à Kinshasa a été consacrée au contact avec des partenaires au développement qui sont prêts à venir investir dans la province du Sud Kivu.
après plus de deux semaines passées dans la capitale de la République démocratique du Congo, Marcelin Tshishambo-Rouya retrouve comme il avait laissé une province calme et ses administrés toujours prêts à lui témoigner leur attachement doublé d'une reconnaissance pour la modernisation de la voirie urbaine de Bukavu. Les travaux s'y poursuivent d'ailleurs et les engins de l'office de voirie et drainage s'attellent maintenant à la pose d'une monocouche sur les bandes de dégagement récemment récupérées après l'opération de démolition des maisons qui empiétaient sur les voies publiques. Dans un autre chapitre, il s'est tenu à Kinshasa le mardi 23 décembre dernier, la formation Cisco Academia, l'objectif poursuivi par les organisateurs et entre autres l'éradication de la criminalité professionnelle afin de rendre les étudiants favorables sur le marché de l'emploi. Nous sommes à l'Institut supérieur de commerce dans la commune de La Gombe. Soucieux de lutter contre la criminalité professionnelle et rendre ses étudiants favorables dans le marché de l'emploi, l'ISC Gombe, en partenariat avec le groupe Cisco, a procédé ce mardi au lancement d'un nouveau programme de formation, dénommé Cisco Academy, fruit d'une coopération avec les différents partenaires dans des organismes internationaux et nationaux. Bien qu'étant basée sur l'informatique, cette formation ne concerne pas que les informaticiens, vu l'impact de ces domaines dans la vie quotidienne. L'Académie Cisco que l'on vient d'installer ici à l'ISC, c'est une structure qui permet de, en fait, comme a dit un enseignant, renforcer la capacité des informaticiens qui sortent de cette institution et aussi renforcer la capacité en informatique des hommes et des femmes ici dans la ville de Kinshasa. Avec un diplôme reconnu mondialement, ces programmes offrent aux étudiants et professionnels une formation sans précédent, dispensée par des professeurs de qualité. Mais vous savez qu'à l'ISC, il y a l'option informatique de gestion. Et nous formons des cadres de haut niveau, des jeunes gens. Ces jeunes étudiants ne peuvent pas être livrés sur le marché sans connaissances très poussées dans le domaine de l'informatique. Pour clôturer cette cérémonie, l'hôte du directeur général a procédé à l'inauguration des installations de Cisco ISC, une salle bien équipée avec deux machines de qualité pour la bonne formation des apprenants. La fête de la nativité du Christ, on en parle encore dans ce journal. Plusieurs groupes de malades autrefois insolvables à l'hôpital général de référence de Kinshasa et au centre drépanocytaire du quartier Yolo dans la commune de Kalamu ont pu fêter chez eux à la maison et ce grâce à l'implication de Tigo RDC, cette société de téléphonie mobile qui s'emploie à redonner le sourire aux Congolais, a tout récemment pensé à ceux encore retenus dans ces établissements pour insolvabilité. Sourire aux lèvres, chantant à l'honneur de Tigo RDC. Pour d'autres, de déclarations de reconnaissance à la société comme cette femme. Voilà en somme l'ambiance qui a régné la veille de Noël ici à l'hôpital général de référence de Kinshasa. Tout était des malades insolvables de la pédiatrie et de la maternité jusqu'à l'arrivée du représentant du directeur général de Tigo RDC venu poser un acte de charité et de solidarité à l'égard de ces malades. Nous nous sommes dit qu'en tant qu'entreprise citoyenne, on ne doit pas seulement se contenter des personnes qui sont chez eux, qui sont en bonne santé, mais aussi on tient compte des personnes démunies. Un geste qu'il va également poser au centre d'anémie SS de Yolo Mabanga. Au total, c'est 170 malades de la pédiatrie et de la maternité qui ont eu à cette occasion l'avantage de voir Tigo payer leurs factures dues à l'hôpital. Résultat, les uns et les autres étaient désormais en droit de fêter Noël à la maison avec un petit cadeau pour les femmes venant de la maternité. Entreprise citoyenne, réputée proche de la population, Tigo RDC n'en est pas ainsi à sa première action sociale auprès des établissements de santé. Depuis son implantation, Tigo RDC s'est toujours fait le devoir de soutenir des groupes vulnérables. Le soutien apporté par Tigo malade insolvable est plus qu'un don, car prend fondement enraciné dans le cadre de la responsabilité sociale à laquelle l'entreprise a souscrit.
On passe au sport. La Fédération congolaise de football association tient réellement au développement.